Odian Massa d'un côté, Yanis Morin de l'autre. Bourg-en-Bresse pour essayer de se préparer au mieux face au Beşiktaş. Juan pour essayer de sortir de la zone rouge. Voilà. Qui n'a jamais quitté le 5 majeur cette saison et qui, une nouvelle fois, est présent dans l'effectif de départ de Freddy Fautou. La réponse peut-être, elle est énorme déjà, cette réponse. Axel Julien. Oh, il a trouvé du soutien. Il s'est largement défait. Victoire 81 à 84. C'était d'ailleurs le premier succès à l'extérieur de la saison. Le président Brochot, il visait évidemment Jordan Tucker. Il visait aussi celui qui est absent ce soir de la feuille de match, Kellen Grady. Brown attendait ce ballon, il va peut-être être servi. La solution individuelle surtout, tentée par Maxime Salah. Il a été pris à l'intérieur et ça va permettre de claquer ce de Kassé Koutoumbouya pour ses 7 et 8e points. Meilleur marqueur de ce début de rencontre. Et c'est étonnant. Benitez dans le corner. Tentative de réponse avortée. Récupération Cooper pour aller lancer du partenaire. Et le N1 pour la chorale de Rouen. De Zachary Rizaché qui avait été lancé au cercle comme ça. C'est Doumbouya. Doumbouya encore comme un grand. Il élimine beaucoup trop facilement les défenses de Betlik Elit. C'est pour le moment mené de 6 points. Benitez. Bryce Brown qui a retrouvé Benitez. Bryce Brown, le jeu entre les deux. Bryce Brown, longue distance. Voilà de quoi remettre. Meilleur marqueur à 3 points en termes d'efficacité. Hein, Bryce Brown tout de même. 43,5% avant cette rencontre. Oui, comme un grand cette fois-ci, Jérémy Morgan. Présent sur cette ligne de statistiques, en tout cas, le champion de France 2018 avec le MSB. Oh là 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 là, il fait absolument ce qu'il veut, Jérémy Morgan, ce soir. Brown, une nouvelle fois, il était compliqué celui-ci, il le met. Oh, incroyable. Brown qui est bien présent pour ce hit check réussi. Rien ne peut arriver ces dernières minutes. Morgan, il peut fixer et shooter. Et c'est réussi pour Morgan qui lance parfaitement son troisième carton. De Cooper dans les pieds d'Antoine Dio. Et pourquoi pas la tenter celle-ci encore. Il a mis un peu de temps. Morgan, ça va aller au bout. Le N1. Lui aussi va pas s'en priver de monter au cercle peut-être pour aller servir. Adjian Massa. Les premiers points pour Sekou Doumbouya dans ce troisième carton. Récupération encore une fois, Rouen, non, c'est finalement conservé par Bourg-en-Bresse en difficulté. Et toujours Isaiah Mike pour inscrire ses 15e et 16e points. Deuxième meilleur marqueur de cette rencontre pour l'instant. Cooper qui continue de dérouler. Incroyable nouvelle passe décisive de DJ Cooper. Il est sa 9e ce soir. C'est pas le meilleur passeur de Betlik Elit pour rien. Il le prouve. Attention, shoot longue distance de Lewis. Personne pour l'attaquer, il en profite. Le vrai facteur X hein, ce soir, Isaiah Mike de cette formation de. Ça lui réussit encore une fois. Et il aura une importance, c'est sûr, face au Beşiktaş, Axel Julien. Brochot qui d'ailleurs a affirmé clairement qu'il regrettait de l'avoir fait revenir et qu'il aurait voulu le limoger à la trêve. Ça n'a pas fait plaisir évidemment à Jean-Denis Choulet. De Rouen et celle surtout de Sekou Doumbouya qui, il faut le dire, réalise un match costaud pour un retour un an sans jouer. Et puis on est obligé de reconnaître Antoine Dio. Alors, la perte de balle d'Antoine Dio. C'est ce qu'on ne voyait pas dans ce début de rencontre. Un Rizaché qui en profite avec le petit hook. Grady, tentative de shoot. C'est compliqué à prendre. Ça, Kellen Grady. Et au rebond, ils sont présents, les Coraliens. Doumbouya. Oui, le bon relais. La combinaison parfaite
Théo attend du soutien des dernières possessions. Théo retrouvé à l'intérieur. Deux points pour Théo qui lui aussi inscrit ses premiers points ce soir, me semble-t-il. Non, il en a déjà inscrit deux. Et on va se quitter sur ce score de 111 à 87. Ils n'auront pas mis plus de points que la saison dernière, mais autant. Démonstration offensive de la part de Bourg-en-Bresse qui recolle à l'ASVEL.